Dans le cadre de la conférence, nous entendons fixer position nous sous processus formation conseil électoral provisoire. Et que nous avons des expertises là-dedans qui, depuis des années, n'a porté contribution nous, non seulement dans protéger le droit de l'homme à travers votre, mais dans défendre le droit de l'homme également. Dans ce sens-là, nous prenons le passé, coordonnateur directeur exécutif nous, qui c'est Alain Alfred, qui c'est maître en développement et spécialiste en observation électorale. Merci. Et c'est une façon pour nous profiter de présenter deuxième numéro alerte élection. D'ailleurs, titre deuxième numéro A, c'est processus pour mettre KEP en place. Ça n'est pas crédible. Et il n'est pas crédible parce que depuis le conseil présidentiel là, a décidé pour lancer ce processus-là, nous avons écrit conseil là pour nous dire que la méthode que l'a utilisée pour constituer ou bien pour mettre en place la machine électorale là n'est pas rationnelle, n'est pas suffisamment réfléchie. Parce que dans un pays qui a près de 25 ans, qui a fait élection contestée, nous songez ça, élection 2000, c'est des élus contestés. Élection 2005, c'est dans Montana, peuple a vint bien pour le résultat. Élection 2010, ville au caille presque prend du feu pour le résultat à bail. Élection 2015, c'est l'élection qui est plus longue que le pays a connu pendant les 20 dernières années. Et ça a gagné presque 10 ans. Okay? Depuis 2016, nous avons eu l'élection en 2024, depuis que pas eu l'élection faite dans le pays. Donc, là, on a une situation comme ça, l'imander pour que gagner un pile intelligence qui développe pour mettre en place un conseil électoral. Nous constatons que sous 9 secteurs que le conseil présidentiel a désigné ou bien choisi pour voir représenter dans le KEPA, il y a 6 là-dedans. 6 sous 9, il y a un scandale. Secteur femme, il y a un scandale. Secteur paysan, il y a un scandale. Secteur vaudou, il y a un scandale. Secteur syndical, il y a un scandale. Secteur droits humains, il y a un scandale. Secteur protestant, il y a un scandale. En principe, il y a seulement 2 secteurs, pas de problème. C'est l'église, c'est la conférence épiscopale, l'église catholique, avec le secteur Brest. Chapeau pour nous. Mais au niveau du secteur universitaire, là, on a gagné un petit conflit dans la conférence des recteurs. Qui t'a dénoncé le comportement rectorat à l'Université de l'État, qui t'a choisi de manière unilatérale au représentant dans le conseil électoral. Là. Donc, si vous gagnez 6 secteurs sur 9 de contestation, pas de route, pas boire, nous pas qu'à adélanter. C'est camper pour nous camper pour nous évaluer le processus. Là. Et dans le secteur qui est scandaleux, yo tout l'OGBT yo son green rosé. Ancien conseiller électoral 2016, la Frinel Joseph. Yo dit c'est lui même qui a mangancé complot pour permettre que c'est moun pal qui passe à l'an conseil électoral. D'ailleurs, dans la première alerte que nous avons sorti, nous avons nommé mandi conseil là, gagné ancien conseiller électoral qui te gagné de accusation de corruption et de fraude électorale sous dol et n'a pas dit là dans ce conseil électoral 2016 à M. Frinel Joseph et conseil là pour faire suite à recommandation que nous fait là. Donc, dans une situation aussi troublante, côté que institution démocratique écrasée, je dis à nous pas de démocratie parce que nous pas même un grain élu dans le pays. Ok, mais mon gène Kazek, pas élu dans le pays. Tout le monde, malheureusement, n'a constaté que la culture démocratique est en danger. Donc, non, cas comme ça qui est aussi difficile, c'est le moment pour que le conseil présidentiel là, et chef gouvernement fait en pile prudence pour ne pas mettre le pays en plus de problèmes. Et c'est pour ça que nous recommandons dans le projet. Tout d'abord, que le conseil présidentiel là,
et Premier ministre Gary Conille camper processus pour mettre le conseil électoral là en place. Deuxième élément, c'est mettre sous côté tout conseiller présidentiel qui trempait dans la question corruption. Ok, on a parlé de trois conseillers qui trempaient dans le scandale BNCA, ainsi que ancien conseiller électoral 2016 là, M. Frinel Joseph. Troisièmement, pour conseil là engagé, pressé, discussion large avec tout secteur qui est concerné par question élection. Sans nous pas oublier OCID, sans nous pas oublier RNDDH, sans nous pas oublier COJI et nos expertises dans le domaine. Quatrième élément, pour conseil là dégager pour établir un environnement de confiance entre CPTA et tout acteur qui est engagé dans le processus électoral. Et puis cinquième élément, pour conseil là, dégager pour crédibiliser le processus qui doit permettre que nous mettions le conseil électoral là en place. Parce que un conseil électoral qui n'est pas crédible pour faire l'élection contestée. L'élection contestée, ou elle gagne deux élus qui sont illégitimes. Deux élus illégitimes, c'est nanan qui pral alimenter instabilité politique dans le pays, qui pral mettre le peuple dans plus de problèmes. Donc, nous souhaitons que le conseil présidentiel prenne note. Nous espérons qu'il prenne des dispositions qui se posent pour que yo évite le pays à crise ou bien on nous dit catastrophe qui annonce ya. Parce que là je dis à faut nous clé sur ça, si conseil présidentiel là mettez KEPA en place Jean Frinel Joseph là, c'est une catastrophe cap grave pour pays qui capable de répercussions sous génération qui a fini. Merci beaucoup.